je lisais dans ma chambre un roman d'Adelaide Chaise, ou même des poèmes comme on aime à 20 ans. Par la fenêtre ouverte en bas près des garages, on entendait les voix des enfants qui jouaient. Parfois sur ma guitare, j'essayais une page d'un poète ou d'un autre, j'aimais Clément Marot. Puis ma porte s'ouvrait en me fragrant le visage de mon père qui disait « Salut Gonne, ça va ?» Il s'asseyait un peu, moi, je marquais ma page. On causait un moment comme ça tous les deux. Des trucs de la vie, de rien, de pas grand-chose. Ou même on disait rien, on trouvait pas de mots. Il regardait au mur mes posters, mes images. Et parfois me disait, qu'est-ce que tu lis de beau? On peut vivre sans livre, même si c'est dommage. Est-il besoin de lire pour bien aimer les gens? C'était un ouvrier au modeste bagage. Les études en son temps, c'était pour les bourgeois. Lui n'avait jamais lu ni de savants ouvrages, ou même des romans, il aimait la radio. Ou qui aimait les livres et qui cherchait dedans. Le savoir ou l'oubli, vous m'aurez bien compris. Aujourd'hui, quand je lis solitaire dans ma chambre un ouvrage savant, un truc un peu chinois, et que j'entends en bas les enfants qui s'amusent sur la place et qui rient, alors mon cœur se fend. Voilà ma porte s'ouvre en cadrant le visage de mon père qui me dit « Salut Gonne, ça va ?» Bon, c'est une chanson de Pierre Delorme, et Pierre Delorme fait un duo parfois avec Frédéric Bobin. On vous le recommande.